Bon, alors, je suis à Guitare en scène. Je suis avec qui? Dis-moi, t'es qui, toi? Nico, je suis là. Et voilà, qu'est-ce que tu fais comme style de musique? Je fais du blues, du rock et de la folk parfois dans mon concert. Qu'est-ce que vous faites à Guitare en scène, là, dis-moi? On s'est retrouvés là par hasard, on a vu de la lumière, on est rentré, il y avait une scène, on a joué, et voilà, ça s'est bien passé, c'était cool. Donc, vous êtes dans le tremplin, vous êtes finaliste du tremplin de Guitare en scène? Ouais, c'est ça. On a Ouais. fait les présélections, ensuite la finale à Genève. Et puis voilà, nous voilà ici, présents. Vous avez un album ou pas? Si, on a un album qui est sorti en janvier. Ok, t'as vu que j'ai bien bossé mon dossier quand même. Ouais, c'est bon. Absolument. Donc, qu'est-ce que vous attendez du tremplin de Guitare en scène? Bah, ça nous a fait une bonne visibilité, parce que c'est quand même un festival qui commence à être Ouais, balèze on peut dire. dans le milieu. Et puis moi, je viens là depuis longtemps en fait, dans le public. J'ai vu ZZ Top, C60, plein de monde là. Et du coup, c'était un kiff quoi, de jouer dans un endroit tu vois, où je suis devenu gamin, et puis après un peu plus, enfin ado, et puis après un peu plus adulte. Mais en tout cas, c'était cool, c'était marrant. À un moment donné, quand on était sur scène, quand on jouait, je me suis dit, putain, c'est marrant de se retrouver là. Cette scène, j'ai vu plein de groupes dessus, j'ai vu des groupes derrière aussi. Enfin, voilà, c'était un bon moment, c'était fun. Le public a bien apprécié. Alors, je vais m'impliquer là. J'ai bien apprécié. C'est vrai que je m'attendais à un style de musique un petit peu plus, qui sonnait un petit peu plus rock. Mais ouais, non, c'est bien blues rock. Ouais, ça a la pêche. Vous avez c'est voulu. Vous êtes créé des personnages de groupe en venant avec la chemise un peu mécano Ouais, américain. c'est un petit clin d'œil, ça, parce que ça fait partie de mon autre culture à côté, donc qui va souvent avec, hein, d'ailleurs, à savoir les bagnoles. Et du coup, voilà, les mécanos dans le garage, jouant du blues rock, ça me plaisait bien. La pochette de l'album est aussi une voiture, il y a des bruits de voiture dans l'album, on tourne beaucoup autour de ça. Ah, faudrait que je le voie et je l'écoute quand même parce que Tout à fait. moi ce que j'ai entendu, je regrette de pas l'avoir chroniqué parce que c'était vraiment bien. Je dis aux gens, Merci. voilà, j'ai oublié la question. Vous venez de quelle région? Région Rhône-Alpes. Bah, il y en a qui sont à Lyon, il y en a qui sont un peu moins jaloux. Ok, donc bah voilà, j'encourage les gens à découvrir votre album, à vous découvrir. Le webzine pose toujours une question con, ou une question à la con comme tu veux. C'est Est-ce que très tu vrai. crois que faire du rock ça aide avec les filles? Ça a eu payé, comme on dit. T'es en Ouais. couple? Ouais. Non, si, ça doit le faire. Alors, avec moi, ça n'a pas trop fait, mais ça doit le faire. Y a Non, il y en qu'à. a qui disent non, il y en a qui Ouais, disent c'est parce qu'il est batteur, c'est bon ça. non. Bon, allez, eh ben, au plaisir de vous revoir et de chroniquer votre album et Merci à toi. Passez une très bonne soirée et profitez maintenant des concerts. See you Merci. later.